l'agglomération et du territoire, c'est-à-dire qu'il faut développer tout un écosystème autour des unités de sécurité opérationnelle, mais aussi des entreprises, développer des plateformes d'innovation, de la recherche, de la formation. Et mon chiffre, 90 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 400 personnes, 30 000 m² de hangar. À l'instant T, je pense que c'est aujourd'hui une cinquantaine de postes ouverts, vingtaine d'apprentis. En septembre, on accueillera 35 nouveaux apprentis, donc on accélère la partie formation sur les jeunes, qui est encore le meilleur moyen pour former nos mécaniciens B1, B2 sur les avions.